Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 20, la carrière avec Le Mans. Aujourd'hui dans cet épisode, ça va être un épisode de coupe, puisqu'on a les quarts de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne. Voilà, qu'on va jouer d'ailleurs au Chaudron, ce qui va pas être facile. Ensuite on aura un match de coupe, cette fois-ci c'est Coupe de France face à Sochaux, et on aura les matchs face à Valenciennes en Ligue 2 et face à Nancy. Et on terminera accessoirement le mercato où on va, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais présenté, comme je vous l'ai dit, on va pas faire d'achat direct, mais on va voilà faire que du pré-contrat puisque ça va être notre seul moyen finalement de pas payer les joueurs, mais d'avoir quand même une équipe compétitive la saison prochaine, puisque j'ai déjà fait des recrues, j'ai déjà pré-signé des garçons. Alors l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais décidé en fait de faire des pré-contrats, mais seulement à partir de la fin de saison, vous savez, que à partir du mois de mai, par là. Parce que bon, je disais que c'était plus réaliste. Alors c'est vrai, c'est plus réaliste. Mais bon, c'est pas non plus impossible de pré-signer les joueurs. Et ça peut se faire, même si bon, c'est quand même assez rare. Parce qu'on attend quand même de voir les résultats de la saison avant. Mais voilà, nous on va le faire parce que bon, l'IA, elle se gêne pas pour le faire. Donc bon. Pour un souci d'égalité et pas finalement qu'on se fasse entre guillemets voler des joueurs qu'on a ciblés spécifiquement, et ben voilà, j'ai décidé quand même de faire signer quelques joueurs. Alors je vais vous les présenter. Pour l'instant, il y en a 4. Dans le principe, il doit y en avoir 5 de plus qui devraient signer. Mais alors ça fait beaucoup de joueurs. Je sais que ça fait beaucoup de joueurs, mais bon, on a quelques joueurs qui partent, hein, vous le savez. Beaucoup de joueurs qui partent. Voilà, si demain, on va dire que demain, c'est-à-dire à la fin de la saison, voilà, en milieu de terrain, on n'aura plus que Comfey-Boissier, on n'a plus que Diarra, côté gauche, on n'a plus que Vincent, on aura Julien aussi, après on aura Vardin, Dupontchel, Lemonnier, Moussa Voking et Daske, et Cartier, et Boss, Rambo, et j'ai fait monter deux petits jeunes, Patron qui ne sera plus là du coup. Mais voilà, plus de Manzala, plus de Boykan, que je décide de ne pas prolonger, plus de Lévesque, plus de Fofana, plus de Kanté, plus de Maziz. Donc voilà, on va quand même avoir, on va perdre beaucoup de joueurs. Donc du coup, voilà, j'ai pensé à venir et du coup, j'ai déjà recruté pour pallier aux futures absences. Et j'ai recruté, je pense, des bons joueurs qui ont des bonnes qualités. Alors, c'est pas des joueurs qui ont des progressions exceptionnelles, mais bon, voilà, c'est dans, on est dans l'esprit de notre équipe, quoi, de pas prendre des joueurs trop cheat. Mais c'est des très bons joueurs. Ils ont des stats assez folles, assez monstrueuses. Donc j'ai fait monter le petit jeune, hein, le petit Courbet et le petit Malet, le petit MOC qui a que 16 ans. Je les ai fait monter parce que je vous explique, hein, j'explique tout simplement. Je l'avais déjà dit, je crois, dans l'épisode précédent. Si vous vous faites monter un joueur, par exemple, nous, notre équipe, elle est en moyenne d'équipe, elle doit être entre 66 et 67. Vous voyez, en moyenne de force d'équipe, on va dire. Moyenne d'équipe. Donc, ça fait que si vous les faites trop progresser, que vous les sortez du centre de formation, ils vont avoir un poste, vous savez, qui est alloué. Là, par exemple, pour Cartier, c'est sporadique. Ils vont avoir un poste trop important. Et du coup, ils vont vous demander beaucoup de temps de jeu. Voilà, alors que ben voilà, c'est des jeunes qui viennent d'arriver, donc on n'a pas forcément beaucoup beaucoup joué. Il va falloir d'ailleurs que je lui donne un petit peu de temps de jeu à Cartier. De toute façon, je suis obligé parce que il est dans mes objectifs. Voilà, il a joué qu'un seul match. Il faut qu'il joue 4 matchs encore d'ici la fin de la saison, donc c'est largement faisable. Du coup, les deux nouveaux qui sont arrivés ont la personne de Arnaud Courbet, voilà, le numéro qui a 18 ans, le numéro 37 de cette équipe, voilà, qui vient de signer son premier contrat pro. Alors il n'a pas un énorme potentiel, hein, il est resté son potentiel un peu bloqué entre 73 et 79. Donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais bon écoutez, je l'ai mis sur la liste des prêts. Ça serait bien que je puisse le prêter maintenant pour un prêt court. Comme ça, je le récupère l'année, à la prochaine saison. J'espère qu'il aura un peu progressé, sinon je le reprêterai encore une fois. Et puis plus tard, on essaiera de tout simplement de le vendre, hein, parce qu'il vaut quand même 425 000 euros. Donc. Ça, nous, ça, je vais pas le faire travailler. Je vais le laisser progresser, peut-être lui donner un petit peu de temps de jeu des fois, parce que bon, il n'a pas des stats qui sont ridicules. Hein. Regardez, il a 5, 4 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied, il est pied gauche. Par contre, il a des faibles contributions offensives et défensives, ce qui est complètement nul. Mais voilà, bon, il a quand même un peu de vitesse. Il n'a pas trop mauvais en endurance pour un jeune joueur. Et puis bon, voilà, il a un petit peu de dribble, un peu d'effet. Il est quand même assez mauvais en contrôle de balle, malheureusement. Ouais, il a quelques stats intéressantes, 59 de passes courtes et 48 de vista. Mais bon, c'est jamais.
on sait jamais, on sait jamais. Et du coup, lui, comme rôle, quand je l'ai monté, du coup, il m'a proposé sporadique. Donc sporadique, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il va pas trop m'embêter si je le fais pas jouer. Et j'ai fait monter le petit Malais. Alors, le petit Malais, il va avoir un potentiel beaucoup plus intéressant. Je crois qu'il était entre 79 et 92. Donc, il risque d'être très bon. Mais je l'ai fait monter avant qu'il arrive à 60. Alors, je sais très bien qu'à partir de 60, on a les mentions des joueurs. Mais je l'ai fait monter avant. Comme ça, il me demande qu'un rôle d'espoir. Et comme ça, si vous voulez, je peux tranquillement le laisser dans l'équipe, le faire progresser un petit peu et lui donner un petit peu de temps de jeu sans que, voilà, sans qu'il se plaigne trop. Et voilà, sans que ça pose trop de problèmes, on va dire. Lui, il est moyenne contribution offensive et défensive. Il est pied gauche, 3 étoiles mauvais pied. Il a des stats qui sont quand même pas trop mauvaises. Je l'ai beaucoup entraîné dans les passes. Il est plutôt pas mauvais en précision coup franc aussi. Ça c'est pas mauvais. Voilà, ouais, après en vista, voilà, il a une vista intéressante, une passe courte, une passe intéressante, sachant qu'il a que 16 ans. On est quand même sur un joueur qui risque d'être relativement intéressant. Et puis voilà pour les joueurs, les petits jeunes que j'ai fait monter. Il m'en reste encore quelques-uns de petits jeunes. Mais je vais les laisser. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, j'ai quelques joueurs intéressants. Comme lui, mais il a que 15 ans pour le moment, lui aussi. Hein, vous voyez, lui aussi, il a quand même des stats intéressantes. Arthur Barbier aussi, il a déjà 17 ans, mais entre 71 et 91. Donc, je risque d'essayer de le faire monter quand il aura vers 58-59. Comme ça, il me demande espoir. Et puis, j'essaie de le prêter dans la foulée. On verra bien. Toujours est-il que, malgré mes pré-contrats, je suis toujours en bénéfice presque 7 millions. Donc, du coup, par l'objectif financier qui est de marge bénéficiaire de 10. On est déjà à 67%, donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça n'a pas trop trop bougé du coup avec les pré-contrats. Je vais vous montrer un petit peu les 4 joueurs que j'ai recrutés. Alors on va commencer avec le petit Christopher Zachariasen, donc un Norvégien de 25 ans. Voilà qui peut jouer MCMG, mais bon ça sera un MC, il n'y a pas de problème. Qui signe chez nous pour un rôle crucial, vous voyez, il a déjà 71 de général. Donc il viendra finalement remplacer et améliorer le poste de Boykan. Voilà, donc on a recruté un bon joueur pour pas trop trop cher. Alors, c'est plus cher que la grille salariale de mon équipe. Ou, hein, voilà, si, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis grille salariale. Voilà, on va dire qu'on se fixe un petit peu une limite de salaire au niveau. Voilà, pour qu'il n'y ait pas un joueur en fait qui soit surpayé par rapport aux autres. Là, ils sont vraiment. Enfin, ils sont payés en fonction de leur capacité. C'est pour ça que quand j'avais prolongé Stéphane Diarra, je lui ai mis 3000 euros direct. Parce que ben voilà, je savais que ça ferait partie des joueurs les plus importants de mon équipe. Donc du coup, je l'ai un petit peu surpayé. Mais c'est tout à fait normal. C'est parce que voilà, ça fait partie des joueurs intéressants. Comme ça, au moins, il a un bon contrat. Et il fait pas chier. Voilà. Christopher Zachariasen, du coup, le Norvégien qui signe en provenance de Sarpsborg. 08 FF. Alors, faut savoir que les équipes dans lesquelles je tiens ces joueurs, ce sont des équipes qui sont de niveau équivalent au nôtre, voire un tout petit peu plus fort, voire même des fois un tout petit peu plus faible pour quelques pistes que j'ai. Mais voilà, c'est pas, c'est voilà, je prends pas des joueurs de gros clubs. Voilà, ça pour Sarpsborg, là, vous regardez, c'est, je crois que la moyenne d'équipe c'est 66, 66, 67, un truc comme ça. Et nous, on est à 66, entre 66 et 67, on est à 66,6666 maintenant avec les progressions, tout ça. Donc voilà, c'est un joueur du niveau de l'équipe. Donc du coup, qui nous rejoint, il vaut quand même 3 millions 100. On arrive à le signer pour un salaire de 3 millions 5. Voilà, il vient pour. Par contre, il vient pour une durée de 2 ans. Malheureusement, que 2 ans. Je l'ai pu faire signer que 2 ans. Donc il faudra voir à l'issue de la première saison s'il est bon. On essaie de le prolonger. Sinon, bah, il faudra essayer de le vendre, hein, tout simplement. Mais il a des stats qui sont très très bonnes parce qu'il a un coffre monstrueux. Voilà, il n'est pas dégueulasse en vitesse, voilà, pour un milieu de terrain plutôt. Alors c'est un milieu de terrain qui est assez polyvalent, plutôt je dirais à vocation offensive par rapport à un autre milieu de terrain que je veux récupérer, mais il est plutôt offensif, mais il a des stats très équilibrés. Il est très très bon, regardez, il a pas beaucoup de verre dans les stats techniques, ok, mais ça donne quand même un équilibre qui est assez bon. Regardez, y a pas de rouge, il n'y a pas de orange dans ces résumés de stats. Hein, c'est que du jaune ou du vert pour les stats physiques. Donc il est quand même plutôt pas mal. Un petit 69 de vista, c'est quand même pas mal. Il a 70 en plus de placement offensif. Il a 70 de passes courtes, 65 de passes longues. Il est, voilà, en plus il est contribution offensive et défensive forte, donc voilà, c'est un mec qui va courir, il a le coffre pour courir parce qu'avec ses 94 d'endurance, il a une bonne détente pour le milieu de terrain, ce sera intéressant, il a plutôt une bonne vitesse et une bonne agressivité, donc moi je trouve que c'est quand même un bel ajout à l'équipe.
Voilà, je vous montre les joueurs comme ça et pas par rapport à l'off-remise, parce que par rapport à l'off-remise, vous savez, vous pouvez pas voir les stats du joueur, ce qui est un peu dommage. Donc du coup, dans l'écran, l'off-remise en haut, hein, voilà. On remet les choses dans le contexte. Ensuite, je fais signer le petit joueur de la JOCR, Kenji Van Botto, le DG de la JOCR, qui nous rejoindra en remplacement de Dorian Lévesque. Donc vous voyez, je remplace Lévesque qui avait 67, maintenant 66 de général. Par Kenji Van Botto qui a 68 de général. Voilà, qui a des stats plutôt correctes. Hein, voilà. Bon là, il n'est pas très bon en tir, mais bon, c'est normal, c'est un défenseur gauche. Il a 4 étoiles mauvais pied, donc ça c'est bien. Éventuellement, il pourrait dépanner côté droit, même si j'espère pas en avoir besoin. Voilà, plutôt des moyennes intéressantes en défense, en passe et en constitution. Voilà, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pas trop mal d'endurance, pas mal de détente, de force et quand même de l'accélération. Assez complet. Petit placement offensif qui est pas mauvais, un petit 64 d'interception. Voilà, il peut encore progresser, mais voilà, c'est quand même un joueur intéressant. Il a pile les 23 ans. Zakaria Sen, d'ailleurs, il a 25 ans, je sais plus si je vous l'avais dit. Ensuite, je récupère le Suisse Roy Jelmy du FC Thun. Voilà, un défenseur central suisse qui sera mon défenseur central titulaire avec Moussa Vukking, normalement la saison prochaine, 67 de général. Alors titulaire, il partira peut-être pas titulaire de base, puisque bah, il a la même stat que l'aumônier, je crois, 67. Mais voilà, il m'a demandé un poste crucial, donc il va falloir quand même que je le fasse jouer. Voilà, il a des stats de vitesse quand même plutôt intéressantes pour un défenseur central. Il n'est pas trop mauvais en endurance, pas trop mauvais en détente, en force. Voilà, il a plutôt des bonnes capacités de relance aussi, ça c'est ce qui m'a plu aussi chez lui. Plutôt pas trop mal en tacle aussi, hein. Défensivement il est plutôt bon, même si la lucidité défensive c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça. Il a la perk stat puissante, qui peut être très utile, qui peut faire la différence. Il a 3 étoiles mauvais pied, donc éventuellement on peut le mettre à gauche si jamais on n'a pas le petit Moussa Vukking dispo. Donc voilà, pour faire un défenseur central, il vaut 1 100 000, donc c'est pas trop mal. Il a 24 ans. Ensuite, c'est l'arrivée du buteur du Yokohama Marinos, un club japonais. Voilà, on signe un petit Brésilien pour 4 000 euros. Voilà, il passe de 6 400 à 4 000 euros. Voilà, bah, il voulait partir un petit peu de son pays japonais. Alors, il baisse un peu son salaire, on est bien d'accord. Mais chez nous, il a un rôle complètement crucial. Bon, là-bas aussi, il était crucial, hein. Mais chez nous, il a un rôle crucial et on va dire qu'il se rapproche un peu plus on va dire des gros clubs, entre guillemets. Je dis pas qu'on est un gros club. Je dis que, voilà, il a signé pour 2 ans aussi, comme Zakaria Sen. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont venir chez nous, qui vont essayer de se faire voir et pourquoi pas en deuxième saison partir dans des plus grands clubs que nous. Si vous voulez, on va être des tremplins un petit peu à leur carrière. Il a 25 ans, le petit Brésilien, il peut jouer BU, AD, MG, et il vaut 5 millions d'euros déjà. Et il a 73 de général, ça sera le meilleur joueur de l'équipe. Et il a 4 étoiles mauvais pied, voilà, 1 m 70, 64 kg, il n'est pas très très fort, entre guillemets, enfin, il est pas très costaud, un petit peu frêle, on pourrait dire. Mais ça va, puisque bon, il a des stats au moins en force, il n'est pas très très bon, mais il a des bonnes stats de vitesse, accélération, vitesse, agilité, équilibre, détente, c'est pas trop mal quand même. Placement offensif, il est très bon. Vista, il est bon. Une des choses que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a une bonne capacité de passe courte. Voilà, dribble, il est bon. Finition, il est bon. Conduite de balle, il est bon aussi. Puissance de tir, c'est bien. Voilà, puis il est quand même plutôt très bon. Il est dribbleur technique quand c'est l'IA qui le contrôle. Je pense que c'est plutôt un bon achat. Voilà, pour gratuit, c'est quand même un joueur intéressant qui sera du coup. On va dire dans les buteurs, il partira quand même pour être favori dans la hiérarchie des buteurs. On n'oublie pas quand même Créen et Moussa Tioko, hein, qu'on va garder, et aussi Rambo qu'on gardera, parce qu'on va peut-être changer un petit peu de compo la saison prochaine pour partir sur un 4-3-3 avec un milieu neuf. Et voilà, on aura Zakaria Sen comme ça, et on gardera Boissier, Confé et un autre joueur que je vous présenterai plus tard quand je l'aurai signé. Qui sera en milieu défensif. Voilà, donc même si Jelmy peut jouer en milieu défensif, oui, il peut jouer défenseur central et milieu défensif, donc ça peut aussi correspondre du coup avec ce nouveau schéma. En tout cas, voilà les 4 premières recrues pour la saison prochaine qui arriveront. Voilà. Puis sinon, après, aucune recrue directe, hein, aucun transfert sec, à part les petits jeunes qui sont rentrés. Et on va donc partir faire ce match face à l'AS Saint-Étienne. On va rester en rouge face à Wahbi Khazri.
On va laisser l'équipe type hein, comme ça. Bon, c'est de la coupe. Ouais, c'est de la coupe et c'est un quart de finale quand même. Donc, faut quand même essayer d'être sérieux, même si bon, bah, ça va être compliqué là. Hein. On se le cache pas. Ça risque d'être compliqué. Je vais peut-être mettre le petit Courbet tiens, sur le banc. Peut-être lui offrir un petit match. Un premier petit match. Et en Coupe de France, on fera jouer notre gardien. Hein. On est parti pour ce match face à l'AS Saint-Étienne. Allez, quart de finale de Coupe de la Ligue BKT au stade Geoffroy Guichard face à l'AS Saint-Étienne. Gros match, belle affiche au programme dans cet après-midi, cette soirée, dans cette soirée plutôt. Ça ressemble plutôt à cette soirée pluvieuse. En tout cas, un match plutôt intéressant qui se profile avec un tifo absolument dégueulasse sur les gradins. On est en route pour la finale. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Je plaisante. Hein. Bon, c'est quart de finale, c'est déjà un bon parcours. Ça nous assurera quand même pas mal d'argent pour avoir participé à cette Coupe de la Ligue. Hein. Donc, ça aurait été plutôt un beau parcours. Quart de finaliste, c'est plutôt bien pour le moment. On est là, on est prêt. Ruffier, Debuchy, Kolodziejczak, Trauco, Cabaye. Ouais, ils ont mis une belle équipe. Yanem Villa, ils ont mis la grosse équipe même. Hein. Afuma, Monet Paquet, Boudbouz, Kazri, ouais, ça a sorti la belle équipe. On va regarder un petit peu ça en détail. Donc avec Kazri, Boudbouz, c'est ça, Monet Paquet, Mvila, Cabaye, Amouma, Debuchy, Kolodziejczak, Perrin, Trauco et Ruffier dans les cages. On va dire que là, le bug de compo, il nous arrange. Il nous aurait un petit peu arrangé, mais là, du coup, on va faire avec. Ça risque de faire assez mal. Hein. Allez, l'accélération peut-être. Stéphane Diarra, on va lancer. Moussitioko, Créa. Oh là là, ça s'est complètement troué là. Allez, l'évêque, le petit centre Créa, la tête de Créa. Et malheureusement, ça sera assez largement à côté. À Créa, ça sera largement à Créa. Non, largement à côté. Cette tête qui n'était pas évidente à mettre, mais le centre de l'évêque. Ça va pas aujourd'hui. Le centre de l'évêque était pas trop mal. Attention, la frappe, l'ouverture du score de Boudbouz. Ouais. Il a bien placé son ballon. Ah, tous ses potes, ils se cassent. Ça, c'est vachement sympa pour lui. Le mec seul au monde. Ouais, bon, là, il était bien placé, malheureusement. Je pouvais pas faire grand chose. Le temps que je me replace avec mon défenseur, il avait déjà fait le crochet. Et la frappe. Et Thuram qui ne peut rien faire, c'est l'ouverture du score de Saint-Etienne. Allez, c'est passé pour Stéphane Diarra. Peut-être l'occasion. Allez, Boissier. Oh, la tentative de Boissier. Oh, attention, Boudbouz. Et l'arrêt de Thuram. Ah, il ne se crée pas beaucoup d'occasions, les Stéphanois. Hein. On est presque plus dangereux qu'eux. Donc c'est un petit peu contre le cours de jeu qu'ils ont ouvert le score finalement parce qu'on est on arrive à plutôt bien contrôler le ballon. Allez, c'est la mi-temps, on est mené 1-0 par Saint-Étienne dans ce quart de finale. Pour l'instant c'est quand même assez kiff-kiff. Hein, voilà, ils sont quand même plus forts que nous techniquement, ça se sent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas réussi à égaliser. Parce que techniquement on est en dessous. Voilà, le gros match des milieux de terrain du côté de Saint-Etienne. Et nous, on fait plutôt un bon match. Hein. C'est pas trop mérité cette ouverture du score pour le moment. Mais écoutez, c'est comme ça, 4 tirs, 4 cadrés. Ils ont beaucoup tiré sur des joueurs. Ils ont légèrement la possession. Ça se joue quand même. Hein. C'est un match qui se joue. Moussitioko, je trouve qu'il fait pas assez d'efforts. Malheureusement. Après, sinon, le reste de l'équipe... c'est plutôt bon. Faut regarder les notes chez ouais, dans ces Créens qui est un peu en deçà. Ouais. Bon écoutez, bah Créen, on va le faire sortir, on va faire entrer Kanté. Et on verra bien ce que ça va changer. Allez Moussitioko, l'égalisation d'Oko. C'est mérité. C'est mérité. Aïe, aïe, aïe. Ça a été dur. Ça a été dur. Qu'est-ce qu'on a raté dans ce début de seconde période? Qu'est-ce qu'on a raté? On a déjà la 70e, hein, mais
On a raté beaucoup de choses. On a vraiment raté beaucoup de choses. Des passes vraiment assez simples. Pas bien données dans le bon tempo, en tout cas. On a réussi à faire l'égalisation avec Oko. On va faire des petits changements en passant. On va faire entrer Julien. Boykan, je le trouve un peu moyennasse dans son match. Donc il va sortir. Je trouve qu'il rate, vraiment beaucoup de choses. Malheureusement. Et on va mettre les deux qui vont partir dans le dos. En espérant qu'on puisse faire un petit contre. Oh, Aboubakari Kanté! Aboubakari Kanté! Kanté! Oh, la parade de Ruffier! Le contre! Le contre qui aurait pu faire très très mal. Là, il était un petit peu en bout de course, Kanté. Donc, du coup, j'ai tenté la frappe. Oh, j'aurais peut-être pu décaler Julien qui arrivait dans l'axe. Ça aurait été un petit peu difficile, mais on ne sait jamais. Oh, la tête de Kanté qui vient mourir à côté. Il fait plutôt une bonne rentrée, Kanté. Hein. Ah, ça passe pour Aboubakari Kanté. Il a poussé un peu trop loin son ballon. Aïe, 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 dommage. Encore une fois, on a eu l'occasion. Là, on a les occasions. Et c'est terminé, ça sera une nouvelle fois les tirs au but pour départager les deux équipes. On aura eu les tirs au but en 8e. Et les tirs au but en quart. Donc tout est encore ouvert. Même si on aurait quand même mérité... Elle est sympa cette image, tiens, je la vois pas souvent. Par contre, elle a l'air un peu seule, la coach au milieu, là. Fin de la seconde période. Et ça sera les tirs au but direct. On a fait un match plutôt bon, hein, vous voyez, 8 tirs 4 cadrés. On a eu des occasions de tuer le match. Malheureusement, on n'a pas su les saisir. J'espère que ça ne sera pas trop préjudiciable. Parce qu'à côté, il y a des bons tireurs. Oh, il a bien feinté. Oh, qu'est-ce qu'il a bien feinté. J'avais trop cru qu'il allait tirer... Ah, ça siffle. Ça siffle du côté... Oh, ça passe. Le poteau qui tape sur Ruffier. Côté... Ouais. J'ai hésité du coup avec ce côté-là. Bon, ils sont meilleurs que les Bordelais en tout cas. Ouais, j'étais sûr que ça allait arrêter. Attention à Romain Mouma. Oh, il tire à côté. Il tire à côté à Mouma. Si on marque, on va égaliser. Alors, j'ai pas des bons tireurs de coup franc, de péno. Ah, raté. J'ai re-appuyé sur le bouton trop vite. Oh, l'arrêt. L'arrêt de Thuram. Qui peut-être nous permet d'exister. Stéphane Diarra. Oh, raté. Complètement raté. Non, c'est pas possible. J'ai encore une fois loupé le coche. Attention à Mvilain. S'il le met. Il tire à gauche. Oh, il a tiré plein centre. Il a tiré plein centre. Aïe, 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 aïe. On les a fait douter, ces Stéphanois. C'est le gars qui sait pas où est-ce qu'il va. D'accord. Le mec, il vient bien narguer les adversaires. Hein. Ouais. Il a tiré en plein milieu. Bien tiré. Bien tiré, bien tiré. Je pensais qu'il allait tirer sur la gauche. Et voilà, on est éliminé de cette Coupe de la Ligue BKT, mais on aura fait un très très beau parcours. Et on aurait fait, je trouve qu'on aura fait jeu égal avec Saint-Etienne. Il n'aura pas fallu beaucoup pour qu'on puisse tuer le match, hein, finalement, beaucoup plus tôt. Ça s'est vraiment pas joué en grand chose. Et on est éliminé au tir au but, donc ça prouve qu'on a fait quand même plutôt un bon match. Le PSG est passé Montpellier, le LOSC. On aurait pu affronter une de ces équipes en demi, mais c'est pas grave, on s'arrête là, c'est quand même un beau parcours. Et surtout, c'est merci de l'argent. De prendre le temps de répondre à nos questions. Pas de quoi. Pas de quoi, pas de quoi. Un quart de finale tendu contre cet adversaire avec malheureusement pour vous une élimination au tir au but. Quel est votre sentiment? C'est le football. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est dur. C'est le football, on va dire. Hein. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Après le but du Mousignon, pensiez-vous que vous alliez en tir au but? Je pensais qu'on aurait pu remarquer. On aurait dû gagner. Non, la défaite est méritée. C'est pas la défaite.
L'objectif, c'était la victoire. Voilà. Kaba était l'un de meilleurs adversaires. En... Oui, bon, il a été bon, quoi. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, allez. Eh oui. Eh, c'est des grands joueurs face à nous. C'était des grands joueurs. Je n'ai vraiment pas apprécié mon passage ici. Je suis heureux d'apprendre que vous avez songé à me prêter, mais tu viens d'arriver. un prêt te ferait le plus grand bien. Voilà. Mon temps de jeu, tu as toujours ta place dans l'équipe. Hein. T'inquiète pas, Loïs Confé. On va le refaire jouer, le petit Confé, pour la Coupe Nationale, justement. Allez, on va faire ce match de Coupe de France, 16e de finale de Coupe de France face à Sochaux. Dans ce match, on va partir avec une compo, voilà, que j'ai préparé, une compo avec des petits jeunes. Donc, couleur extérieure contre couleur domicile. On va partir avec Kanté sur le côté gauche, Rambo, Diarra, Confé, Fofana, Malé, qui va faire son premier match avec nous, le petit milieu offensif qui a déjà pris un petit point. L'aumônier Dasquet, Duponchel et Boss et Cartier dans les cages. Donc on a deux jeunes formés au club dans le 11 de départ. Et on aura sur le banc le petit Courbet qui pourra éventuellement rentrer. On aura Maziz, on aura Boycan, Créen, l'évêque Vardin. Et voilà, puis après on met au repos un petit peu les autres. Peut-être que je devrais mettre peut-être Moussi Tioko à la place de Créen. Parce que Moussi Tioko c'est un petit peu le même profil. Et on va mettre peut-être Créen à la place de... Ouais, Julien, c'est pas trop mal aussi. Maziz, ouais, à la place de Maziz, allez. À la place de Maziz. Maziz, qu'on lui donne plus beaucoup de temps de jeu maintenant, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. C'est parti pour ce match au stade Auguste Bonnal. Allez, petite musique sympathique pour ce 16e de finale de Coupe de France. Face à Sochaux, on joue encore une fois un match de coupe à l'extérieur. Ça fait du coup trois fois de suite. Hein. On avait joué face aux Girondins à l'extérieur, face à Saint-Etienne à l'extérieur, et on joue face à Sochaux à l'extérieur en Coupe de France. N'a pas beaucoup de chance, hein. Je joue pas souvent à domicile. Quelle équipe va nous affronter? Sochaux, normalement, ça va être une équipe qui aura grosso modo notre niveau. On a Sané, le Sochalien, 3 buts sur les 3 derniers matchs. Il a le numéro 27. Il est plutôt sur une bonne forme, on va dire. Nous, on fait un petit peu une compo... peut-être avant-gardiste par rapport à... C'est une compo qu'on devrait faire comme ça la saison prochaine. Donc voilà, on va tester un petit peu. Cartier qui va jouer son deuxième match. Il faut qu'il en joue 5. Après, ça peut être le petit Malais aussi. Hein, qui peut jouer 5 matchs. On ne sait jamais. Le petit Malais, vous allez le repérer facilement. Parce qu'il a des gants noirs. Et il a surtout le numéro 72. Donc, c'est le petit natif du coin. Ils ont les volants Wissek, Touré, Privat. Ouais, ils sont plutôt une équipe intéressante. Hein. Là, c'est plutôt une équipe pas trop mal. Avec le petit Prévost dans les cages. On part avec Julien Cartier, Duponchel, Dasquet, Lomonier, Boss, Fofana, Confé, Malé, Diarra, Rambo, Kanté. On fait confiance à Rambo. Vous m'avez dit dans les commentaires d'ailleurs qu'il faudrait qu'on le voie un peu plus souvent. Et eh bien il est là, le 72, le Malais, numéro 72. Il fait son premier match pro à 16 ans. Il est là, il est tout petit, regardez, il est là. Je le contrôle, il a les gants noirs. Les gants de meneur de jeu. Oh là là, complètement raté cette tentative de Stéphane Diarra. Pourtant, il était complètement seul. Hein. Il était vraiment complètement seul. Il a complètement loupé son enroulé. Ça démarre moyen quand même ce match. Hein. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que mes joueurs, ils sont pas trop habitués au système de jeu. Du coup, c'est un peu compliqué. Allez, c'est la mi-temps dans ce match assez compliqué. Pour l'instant, c'est un petit peu dur quand même. Hein. C'est un petit peu dur, je vous le cache pas. Beaucoup de déchets, hein. Beaucoup de déchets techniques dans les derniers mètres. Je trouve que Stéphane Diarra, il fait pas un très très bon match. Il loupe vraiment beaucoup de choses. Un petit peu le côté droit, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en galère. Il a un peu de mal, le petit Malais. Bon, bah, il prend pas trop de risques, mais pour l'instant, ça va. Peut-être qu'il faudrait que je joue avec Malais MOC, parce que j'ai l'impression qu'il manque un petit lion offensif.
Et peut-être qu'avec voilà, une attaque peut-être comme ça, voilà, qu'on fait Fofana, peut-être que comme ça, ça pourrait être un peu plus intéressant. On va remettre les instructions. Voilà, hop, dans le dos de la défense. Soutien défensif. On va se mettre en équilibré. Et des courses de débordement sur les côtés. On va rester comme ça. Et puis on verra bien. Hein. Si je vais leur demander juste de couvrir le centre. Et je vais demander à Rambo de rester devant pour faire bien le pivot. Et on va voir si on arrive à faire la différence. Ça se projette pas, il y a un petit souci, ça manque un peu de... Voilà, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose, il y a pas trop de mobilité. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas de différence qui est faite, hein, malheureusement. On va repasser sur un système un peu plus classique. Voilà, sauf qu'on va passer un peu plus à plat. Et on va faire entrer Créan ou City Oko, hein, les classiques. On va dire, ah, il fait vraiment pas un bon match. Hein. Quoique, si je ferais peut-être mettre Kanté devant et faire entrer Manzala ou le petit Courbet. Tiens, le petit Courbet qui va jouer. Mais je trouve que... Dira, je peux pas trop le sortir parce que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai, mais il fait quand même pas mal de boulettes, je trouve. Rambo, il aura pas fait de différence tout seul comme ça devant, malheureusement. Ouais. Un peu dommage. Hop, il va partir. Il va rester en pivot, Moussiti Oko. Et on va tenter comme ça. On pousse, hein, on essaie de pousser, mais ça manque de mobilité. Vous savez, on essaye de faire des 1-2, sauf que bah, le deuxième joueur, bah, il a absolument pas l'intention de partir. Faire le 1-2, alors ça manque complètement de... Voilà, ça bouge pas assez. Voilà, ça bouge pas assez pour être dangereux. Ouais, Moussiti Oko qui se crée une première vraie occasion. C'est terminé un peu loin le ballon. Eh bien, c'est terminé. Je crois que c'est prolongation Coupe de France, je crois. Mais en tout cas, c'est voilà, il y a... Quel déchet technique, quoi. C'est incroyable le nombre de déchets techniques qu'il y a. Mais dans les 30 derniers mètres, hein, c'est vraiment dans les 30 derniers mètres, ça passe plus, quoi. Les passes, en tout cas, les joueurs sochaliens sont très, 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 très bons. Défensivement, ils sont vraiment parfaits. Parce qu'ils font, bah, ils font complètement le travail, hein. Défensivement, c'est impeccable. Ils sont ultra solides, ultra défensifs. Et ils essaient de faire des contres, hein. Parce que là, on a clairement la possession. On n'a pas regardé les stats, mais on va la regarder ensemble. Mais je pense qu'on a clairement la possession. Pardon, c'est 50-50. Pourtant, j'aurais pas dit, vous voyez, c'est un match très pauvre, hein. 3 tirs de chaque côté, enfin un tir pour nous, 3 tirs pour nous, un tir pour eux. Mais voilà, il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose pour animer un peu le match. J'espère que ça viendra plus de chez nous que de chez eux. Même si bah, j'ai l'impression que mes joueurs, bah, ils sont pas là, ils sont pas présents. À l'image de cette interception qui aurait pu être meilleure, mais qui revient direct dans les pieds sochaliens. Attention parce que ça c'est une bonne occasion. Oh, l'ouverture du score de Sochaux, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il manquait quelque chose. Première frappe cadrée. Et direct l'ouverture du score. Nous on a malheureusement pas cette chance. On n'a pas. Je sais pas, on n'a pas les joueurs qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Dira, je suis obligé de le garder, mais. Après j'ai pas de joueur qui joue mal en fait. Hein. C'est ça le problème. On va faire entrer l'évêque. J'ai aucun joueur qui joue. Enfin. Ils jouent mal en fait, juste dans les 30 derniers mètres, ils jouent très très mal les coups. Voilà, ils sont vraiment pas précis, ils loupent beaucoup de choses dans les 30 derniers mètres. Mais après, dans le reste du terrain, tout va bien. Donc c'est ça qui est assez, assez étonnant. Et là, les Sochaliens, ils vont bétonner. Hein. Ils vont bétonner. Allez, Moussiti Oko, peut-être. Moussiti Oko, l'égalisation, il fallait attendre l'ouverture du score, hein, pour l'égalisation de Moussiti Oko. J'espère que ça va pas encore se régler au tir au but. En tout cas, on arrive à égaliser, enfin. Grâce à la petite accélération. Vous voyez, il a pas de vitesse, hein, au City Oko. Mais pourtant, il a mis la petite accélération qui a fait mal. Et qui nous permet, pour l'instant, d'être à égalité, de survivre dans ce match. Allez, c'est la fin de la première période des prolongations. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Vous avez vu ce tacle, hein. Il y a eu dans la surface. Il était valide, hein. Il était sur le ballon, mais c'était chaud pour Sochaux.
Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est vrai que j'ai fait rentrer courbé côté gauche, tiens, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait gaffe comment il joue. Honnêtement, j'ai même pas fait attention. Oh, le poteau, il est tout seul. Oh, il est tout seul, c'est abusé. Le but de Sochaux. Oh là là, on ne pourra pas revenir dans ce match. Ah, c'est abusé, il était complètement seul. Cartier qui a été sauvé par son poteau. C'est abusé parce que c'est pas mérité, quoi. C'est vraiment pas mérité. Même si on n'a pas été très bon, on a quand même été meilleur qu'eux. Et voilà, ils ont eu de la chance. Ils ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et regardez mes joueurs, bah, ils ont perdu complètement espoir. Hein. Regardez-moi ça. Ils essaient de se projeter pour essayer de pousser dans les dernières minutes. Ils savent que c'est fini. Mais voilà, c'est terminé. C'est l'élimination dès les 16e de finale de Coupe de France. On n'aura pas fait mieux. On n'aura pas fait mieux. On a tombé sur un Sochaux qui a fait le 100%. Voilà. 100% de tir cadré, 100% de but. Bon, tu me diras, nous aussi, je pense qu'on doit être à ça. Mais c'est pas vraiment mérité, quoi. Au vu de la physionomie du match, ils ont pas dominé, quoi. Franchement, ils ont pas dominé, même si ils ont plus la possession. C'est parce qu'ils ont beaucoup fait tourner. Mais voilà. Ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. On a fait 4 changements. Ah oui, mais c'est vrai, dans la prolongation, on a fait des changements. Ok. Bon, mais Stéphane Girard, vous voyez, hein, il y a eu un 6-3. Il a été très mauvais. Il a été vraiment très mauvais. Il a vraiment rien apporté. Moussi Tiyoko a fait du bien avec sa rentrée. Mais Courbet, il a été aussi assez fantomatique. Et Boss qui a pas une bonne note aussi. Mallet qui fait un 6-7 pour son premier match. C'était pas un match facile. Hein. C'est fini pour vous dans cette compétition de Coupe Nationale après cette défaite contre l'adversaire. Comment expliquez-vous ce résultat ? On a manqué de réalisme, oui. On méritait mieux, carrément. Non. Je dirais pas qu'ils ont bien joué. On méritait mieux, mais ils ont pas fait ce qu'il fallait non plus. Parvenu à marquer le but décisif dans les 10 dernières minutes du match stress avec elle, votre le meilleur à gagner. Non, je dirais pas comme ça. Pas de chance. Je dirais qu'on n'a pas eu de chance, voilà. On n'a pas bien joué. Faut pas non plus s'enflammer. Mais on n'a vraiment pas eu de chance. Bon, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire parce que, à part marquer, il a pas fait grand chose non plus, le joueur adverse. Voilà, encore merci à vous. Bon, bah c'est la fin de cette Coupe de France en 16e. T'as vraiment apprécié de jouer, bah j'aurais préféré que. Bon, t'as pas été mauvais, on va dire que je vais te dire de continuer parce que t'as pas été mauvais. Mais voilà quoi. Donc, accord pour le prêt. Donc, il va partir pour 6 mois du côté de Lugo, Courbet. Il n'a pas été très bon. Hein. Il n'a pas fait vraiment un bon match. On a tout de suite senti son contrôle de balle assez moisi. Et on se retrouve du coup pour cette vidéo. Alors, j'ai eu un petit souci. Voilà, je m'en remarque maintenant. Voilà, je suis un petit peu dégoûté. J'ai fait le match face à Valenciennes. Voilà, je vous ai présenté les deux recrues que j'avais fait en plus. Et puis j'arrive juste avant ce match face à Nancy, je me dis, mince, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc j'ai parlé dans le vide pendant tout ce temps-là. De toute façon, on a perdu 1-0 face à Valenciennes, un match complètement nul. Mais on a été nul. On va complètement changer l'équipe pour le prochain match parce que Créa, il était catastrophique. Diarra, je ne l'avais pas fait jouer. Je ne l'avais pas fait jouer Diarra pour un petit peu parce que il n'avait pas été bon face à... il n'avait pas été bon dans le match d'avant, voilà, tout simplement. Du coup, je ne l'avais pas fait jouer. Je l'ai fait rentrer en seconde période, ça allait un petit peu mieux. Kanté, il avait fait une bonne rentrée, Fofana avait fait une bonne rentrée, mais Créen, il était nul, il était complètement nul. Après, ça n'a pas été... Ça... Oko n'a pas été terrible non plus. Tous les joueurs qui ont joué, ils n'ont pas été bons. Donc, on va faire un changement d'équipe. Même Moussavo King, qui d'habitude en ce moment était quand même plutôt bon, ben là il était complètement nul. Bon, on a pris que 1-0, mais on a eu une possession, genre c'était 60-40 pour eux, quoi. Et on a fait 2 tirs, ils en ont fait 5. Voilà. Mais ça a été nul, mais nul. Dans les 30 derniers mètres, rien qui passait. Créen, il a tout loupé. On a fini le match, 75% de précision de passe. Vous imaginez, 75%? C'est catastrophique.
Et du coup, ben voilà, c'est j'ai poussé la gueulante. Voilà, j'ai poussé dans la gueulante en conférence de presse. Hein, du coup, je vous explique. Et c'est pour ça que le moral de l'équipe est descendu. Je vais vous montrer du coup les recrues que j'ai fait, que je vous avais présenté, mais du coup, j'avais pas enregistré. Alors voilà, on a enregistré deux nouvelles recrues. La première, c'est Dimitri Cavaret, voilà l'ancien Lensois, je crois, qui revient d'Angleterre. Voilà, après un petit séjour en Angleterre, il revient en France. On l'a fait signer un petit contrat de 2 ans, malheureusement, avec un salaire quand même assez conséquent par rapport à notre équipe. 4 200 euros par mois, c'est un peu plus que Eric, alors qu'il est normalement moins fort, Cavaret. Il est censé être dans les 70-71, donc il a quand même un bon salaire par rapport à notre équipe. Il aura un rôle crucial. J'espère qu'il sera bon. J'espère qu'il sera bon. Bon, il a quand même des bonnes qualités, hein. Il a quand même de la vitesse, de l'accélération de la vitesse, de la force, de l'endurance, de l'agressivité, du centre. Voilà, il est plutôt bon défenseur. Donc j'espère que ça sera un bon ajout à l'équipe. Et ensuite, la deuxième arrivée, c'est Ifeani Mathieu. Donc un Nigérian de 23 ans, voilà, qui vient d'une petite équipe, je ne sais même plus de quel pays c'est. En tout cas, qui nous rejoindra, qui a des très très bonnes stats physiques, voilà, bonne vitesse, bonne agilité, bonne détente, très très bonne endurance comme Zakaria Assène, bonne réactivité, voilà, plutôt bon stats mental, hein, voilà. Après, précision coup franc, c'est pas ouf, précision de tête, c'est pas ouf, mais en tout cas, voilà, il est pas mauvais en dribble, pas trop mauvais en passe non plus, plutôt bon défenseur, on va dire. Et voilà, il a quelques petites perks comme meneur de jeu, tireur de loin, long passeur. Mais bon, ça sera, je pense, un bon ajout à l'équipe et ça nous fera un milieu costaud. Zakaria Assène, Matthews et sûrement Boissier. Boissier, parce que c'est le meilleur de mes milieux de terrain, puisqu'on n'aura plus Fofana. J'avais tenté de recruter Patrick Burner de Nice, mais malheureusement, il me demandait un salaire beaucoup trop élevé. Il me demandait 10 000 balles. 10 500 euros par mois. Alors tout de suite j'ai dit non parce que je sais que ça, j'ai su que ça allait pas être possible. Cavaret ça a été un peu plus facile entre guillemets, même si voilà je voulais lui mettre que 4 000 et il a accepté que 4 200. Voilà il voulait pas moins que 4 200. Du coup voilà les deux nouvelles arrivées qui seront là pour l'année prochaine bien sûr, la prochaine saison. Et on va tenter déjà de finir cette saison et de pas être dernier d'ici la fin de la saison puisque on est vraiment sur des on est nul, voilà. Là en ce moment, le niveau de jeu est catastrophique, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, on va essayer de changer les choses, on va dire. Du coup, j'aimerais bien mettre un joueur. Est-ce qu'on met Maziz ici? Est-ce qu'on met Malet? On va mettre Maziz peut-être. Allez, on va faire confiance au petit Malet, tiens, c'est pas plus mauvais que ce qu'on pourrait avoir. Le petit Confey, il vient de jouer, donc on va faire Fofana Boekan. Quoique, on va faire Boekan ici, et on va faire Daske Boekan. Voilà, parce que les deux défenseurs sont là, ils ont été nuls. Nul, nul, nul. On va faire Dupont-Chel Lévêque. Parce que Vardin a été mauvais. Diarra, il va jouer. Manzala, il va jouer parce qu'il n'avait pas été trop mauvais. Et on va partir avec une équipe comme ça. Ah, Julien m'avait demandé de jouer, donc Julien va jouer à la place de Manzala. Et on fera rentrer Manzala, Vincent qui a. Il n'en peut plus sur le bon. Moussa King, on va le faire rentrer. Enfin, on va le mettre sur le banc. Et on va partir avec cette équipe-là, le petit Malet qui va jouer son deuxième match. Du coup, ça sera autant que le gardien. Et on va tenter comme ça, voir un petit peu ce qu'on pourra faire à domicile. Il faut réagir après ces mauvais résultats. Et j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Allez, quatrième match de l'épisode. Bon, pour vous, ça fait que 3. Mais vous aurez compris, j'en aurais fait 4. Bon, vous n'aurez pas vu le troisième, mais. Honnêtement, vous avez rien perdu parce qu'on a été nul. Du coup, on fait ce match face à Nancy. On accueille Nancy. Et j'espère qu'on va afficher un autre visage parce que c'est quand même assez dur. C'est quand même assez dur. Après, vous savez, hein, dans FIFA, il y a toujours la petite période. Dans cette période-là où on est en plein dedans, où les joueurs se mettent à faire n'importe quoi, à très très mal jouer. Et après, ça va un petit peu mieux. Voilà, quand on arrive vers le mois de février-mars, ça va un petit peu mieux après en suivant. Donc, il faut vite se sortir de cette mauvaise passe pour essayer de faire des trucs mieux. Parce que là, c'est pas ouf. C'est vraiment, vraiment pas ouf. Ils ont des joueurs intéressants du côté de Nancy. Ils ont un petit Baptiste Ballette. Ils ont le petit Marchetti. On connaît bien Wagner. Wagner, il est pas DG normalement. Il me semble, hein. C'est pas un défenseur à gauche, Wagner, c'est plutôt un ailier, enfin plutôt un milieu, qui est plutôt bon d'ailleurs, il me semble. Hein. Il me
me semble d'ailleurs, il est pas mauvais ce Wagner. Allez, bon, ils se discutent entre eux, tout va bien, ils se motivent, j'espère qu'ils vont se motiver. Le petit Malais qui joue son deuxième match, le numéro 72. J'espère qu'il fera un bon match. Comme toute l'équipe. Oh, le but! Il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. L'ouverture du score d'Aboubakary Kanté à la 5ème minute de jeu. Donné par Boissier, très très bon ballon donné par Boissier. Voilà, le bloc de Nancy était présent. La frappe croisée qui vient tromper Baptiste Valette. Et c'est Aboubakary Kanté qui fait le travail en ce début de match. C'est ce qu'il nous fallait, voilà, une ouverture du score très tôt dans le match. C'est ce qu'il nous faut, il faudrait breaker au plus vite pour être bien, être enfin serein dans un match, parce que ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Allez, attention. Attention, là, il faut être sérieux au marquage, les enfants, là, parce que là, il est complètement seul. Hein. Complètement seul, Saliou, je crois. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, Saliou. Complètement seul, hein, derrière. Zéro marquage. Oh, très très bon ballon de Malais. Oh, le but d'Aboubakary Kanté. La passe décisive de Pierre Malais. Il est heureux, le petit Pierre. Bon, il repart en centrale tout à fait dégoûté, mais il a fait la passe D. Le bon contrôle et la passe dans la course d'Aboubakary Kanté. Ça fait 2-0. On fait enfin le break dans un match. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ah, ça fait plaisir. Elle a marqué combien de buts ? 5ème but d'Aboubakary Kanté. Attention au centre. Encore une fois, complètement seul. Il faut arrêter de laisser les joueurs adverses seuls, là, les enfants. Hein, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Allez, Aboubakary Kanté, la frappe ! Et le triplé d'Aboubakary Kanté qui va célébrer je ne sais pas comment, c'est pas grave, il choisit. C'est lui qui voit. Le triplé d'Aboubakary Kanté, ça fait 3-0. C'est la réaction que j'attendais. Après des matchs assez moisis, encore une fois, c'est le petit Malais qui est à la passe D. Est-ce que ça va lui être attribué? Je ne sais pas. En tout cas, c'est Kanté qui a fait tout le travail tout seul. Qui se retourne bien, qui accélère. Et qui marque ce troisième but. Et son sixième but. Déjà, je vais regarder juste si ça a été attribué. 3 tirs, 3 4 3 buts. Est-ce que ça a été attribué 2 passes décisives pour Pierre Malais, c'est ça. Ça a été attribué à Malais, la passe. Allez, c'est la mi-temps et on mène 3-0 face à Nancy. Enfin, la réaction. Et la réaction qui fait plaisir. On a fait bouger un peu les choses dans cette équipe et les résultats sont là. Aboubakary Kanté qui met un triplé. Double passe D pour Malais, une passe pour Boissier. Pour l'instant, ça marche bien. Regardez-moi ça, les notes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des notes comme ça. 9-2 pour Malais, 10 pour Kanté. C'est bien, c'est la réaction que je voulais. Et j'espère que ça sera tout aussi bien en seconde période. Ouah, Kanté ! Oh là là, dommage, il l'a mis sur Valette. C'est dommage qu'il la mette sur Valette parce que... Le petit Malais, il avait quand même réussi à résister au défenseur. Malheureusement, la frappe est pas assez croisée. Attention, la tête. Oh, c'est complètement raté. Complètement raté de la part de l'attaquant de Nancy qui avait la place. Hein, mais il loupe complètement sa tête. Oula. Oh là là. Ouais, et la réduction du score sur la boulette, là, elle est pour moi, celle-là. Là, par contre, il s'est pas loupé. Il s'est pas loupé. Ouais, ça, c'est l'habitude de relancer court, hein, malheureusement. Ça arrive, ce genre de problème. Heureusement qu'on mène 3-0. Enfin, qu'on mène 3-1 maintenant. C'est pas des boulettes à reproduire, ça. Celle-là, elle est pour moi. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça passe. Ça passe pour Dupont-Chel. Dupont-Chel et le petit Malais qui vient marquer, désolé petit bug, mais le petit Dupont-Chel qui fait la passe D pour le petit Malais qui vient marquer son premier but en pro à 16 ans.
Très très bon débordement de Dupont-Chel qui attend le dernier moment pour servir le petit Mallet qui la met parfaitement. Il est un petit peu fatigué, le petit Mallet, c'est normal. L'homme du match, assurément, deux passes décisives, un but. Bon, Aboubakar Kanté, il a mis un triplé, donc ça se joue quand même. Ça se joue. Désolé pour le tout petit bug qu'il y a eu pendant le but. En tout cas, le petit Pierre Mallet, il fait des bons débuts. Son premier but en Ligue 2. Et on va faire nos petits changements sur ce petit but de Mallet. On va faire entrer Maziz. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué Maziz. On va faire entrer Manzala. Et je vais mettre Julien devant. Et on va faire entrer Manzala côté gauche. Et je pense que c'est tous les changements qu'on fera. On va mettre Confé peut-être. On va faire un petit peu de temps de jeu à Confé. Et je pense que ça ira. On a repris les 3 buts d'avance. Allez, le petit Manzala. Wow. Oh, Maziz. Maziz, il a complètement raté sa frappe. Alors que Manzala, il avait fait une belle tentative. Hein. Il avait fait une belle tentative, Manzala. Là. C'est terminé. Enfin, la réaction des joueurs. Beau match. Vraiment très, très beau match. Et Aboubakar Kanté qui finit quand même homme du match. Avec son triplé. Mais le petit Mallet, il est quand même pas mal. Il nous a donné une petite lueur d'espoir. Avec ses 3 passes D. C'était un beau match. Voilà, 10 tirs, 6 cadrés, 4 buts. 10 pour Kanté. Et il a eu combien Mallet, il a eu 9-6. C'est bien quand même. Hein. C'est bien. 2 passes D, 1 but. Je suis très content de lui. Boissier qui fait une passe D aussi. Ouais, Maziz, il a rien apporté. Manzala, eh ben, il a eu sa petite occasion à la fin. Mais ça n'a pas été ouf. Mais Maziz, il a. Ça a été moins bien que Mallet quand même. Hein. Allez, là on est content de faire la conférence d'après-match quand même. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Kanté? Bah, il était excellent. Ouais. Kanté, il a été étincelant. Ouais. C'est ça. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi non. Le mérite revient au joueur. Pas de défi, tu ne m'attendais pas ça. Le mérite revient au joueur. Si, le score reflète la physionomie du match. Vous avez encore gagné. A bien joué. Bah, plutôt, ouais. Eh bien, non. Vous en facilitez la tâche. Bah, non. Eh bien, non. Et tu en les meilleurs. Oui, c'est ça, on va dire. Merci ça. Pour votre disponibilité. On va s'envoyer un petit peu des fleurs par paquet de 12. En tout cas voilà, on voit que Pogba est parti du côté du FC Barcelone. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'était la victoire qu'il nous fallait. On va faire un petit point sur le classement. On repasse 7ème. C'est pas trop mal, hein. Voilà, on est quand même bien dans l'objectif. Guingamp est derrière nous. Sochaux, Auxerre, Caen sont derrière nous. Nancy est derrière nous. Donc on a des équipes qui sont plus fortes que nous qui sont derrière. Sur le papier, plus fortes. Et on a Lens, le Chamois et le Paris FC qui sont toujours en train de se battre. Hein. Ils sont les 3 équipes devant. Laquelle sera barragiste, quelle des deux montera directement. C'est très très chaud entre les équipes. Et pour l'instant, c'est Lens qui tient la corde. Et Ajaccio qui est un petit peu descendu quand même. Hein. Et Lorient qui est bien remonté. Ouais, on est quand même qu'à 3 points de Lorient. Hein. C'est quand même rien du tout. Hein. C'est quand même ultra serré cette Ligue 2. Hein. Elle est vraiment très très serrée. Je voudrais voir aussi les meilleurs buteurs. Toujours Mukanjo, meilleur buteur. Est-ce que de chez nous, on a un Kanté qui a 6 buts en 17 matchs? C'est un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a créé un qui a 4 passes D en 17 matchs. Dira 4 passes D. Ouais, on a beaucoup de passeurs décisifs différents. Enfin, beaucoup. Thuram, deuxième meilleur gardien. Mais bon, il a joué 21 matchs. Hein. 9 invincibilités en 21 matchs. Ouais, on va dire que c'est mieux qu'à l'AGB, mais bon. C'est pas ouf non plus. Et puis voilà, hein, puis après, quelques cartons rouges, mais non, on n'est pas concerné. En tout cas, voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On est à 93 en progression des jeunes. Enfin, en progression des jeunes, en objectif. On est toujours cet objectif financier, voilà, hein, plus 10 millions, on est à 66, on a perdu un petit pourcent comparé à. À la dernière fois, bon après, c'est... voilà, quand on...
finir en milieu de tableau, on est 7e, donc ce serait pas mal. On est, voilà, contrairement à... Voilà, enfin, quand on fait les pré-contrats, je veux dire, on perd quand même un petit peu d'argent. C'est vrai qu'on perd beaucoup moins que si on achetait. Hein. C'est pour ça qu'on fait des pré-contrats de ouf. Et il y en aura d'autres, normalement, il y en a quelques d'autres qu'ils ont prévus. Des postes à renforcer, mais bon, vous l'avez compris. L'année prochaine, le défenseur gauche, le défenseur droit, on aura un défenseur central de plus, on aura enfin une paire de 4. On aura deux très très bons milieux de terrain. On aura un énorme buteur. Je pense que c'est Créan qui sautera. Parce que Oko a été quand même plus décisif que Créan. Créan, il est un petit peu sur la pente descendante. Je pense qu'il passera remplaçant. Diarra sera là. Et il me manque encore un ailier gauche. Et peut-être un autre milieu de terrain. Je me prendrais bien. J'ai quelques pistes. J'ai quelques pistes. Ce qu'on fait les 10 dernières heures, ça ne change absolument rien. Qu'on les fasse maintenant ou pas. Bon, de toute façon, on va pas les faire. On se retrouvera, je pense, directement sur le match face à Lorient. Parce que. Hormis énorme offre d'une équipe, on va quand même avancer, mais hormis énorme offre d'une équipe, il n'y a pas de raison qu'on se sépare de joueurs. C'est ça, il s'est passé absolument rien du tout pendant ces 10 dernières heures, hein, je vous les ai passées. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme petit transfert. Alors rien du côté d'Ajaccio, il y a Boto donc, qui est parti chez nous de la JOCR. Il y a Koyalipu qui est parti pour 1,5 million, ça fait vraiment pas cher. Hein, à ce prix-là, j'aurais pu l'acheter. Mais je l'avais déjà eu l'année dernière, donc du coup, c'est pas la peine. Du côté de Clermont, on a des petits joueurs qui partent libres. Sûrement qui arrivent libres. Guingamp, c'est pareil, arrivé libre, sûrement. Arrivé libre encore, sûrement, je pense, pour les stacks. Un achat de Cône du côté de Chambly. Des arrivées sûrement gratuites, je pense, et un départ gratuit de Cabot. Oui, c'est vrai que Cabot était en fin de contrat. Guillermo qui est arrivé du côté de Sochaux, mais je pense que c'est des gratuits aussi. Hein. Il n'y a pas que nous hein, qu'on fait des petits coups. Sanchez du côté de Grenoble, Camara sur le départ. Du côté du Havre, il s'est rien passé. La Berrichonne, tout pareil. Et du côté du Mans, on a les arrivées voilà, qui sont prévues pour l'année prochaine. Beaucoup d'arrivées. Nancy, a rien. Paris FC rien du tout. Lens qui a perdu Madrid, enfin qui perdra Madrid plutôt. Putain, il y a le petit joueur O'Toole là qui part du côté du Bayern de Munich. Alors c'est peut-être le Bayern Munich 2. Voilà, Rodez rien du tout. Caen rien du tout. Gouranov qui arrive du côté d'Orléans. Valenciennes rien du tout. Et c'est tout. Donc il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de notre côté. Enfin du côté des clubs de Ligue 2. Voilà, beaucoup de. Hein, finalement, on n'est pas les seuls à prendre des joueurs en pré-contrat. Puisque visiblement, il y a assez peu de clubs qui ont dépensé de l'argent. Donc ça veut dire qu'ils ont dû prendre des pré-contrats. Tout comme nous. On va d'ailleurs se vérifier ça. On va regarder ce. Oh, mais comment on va trouver le petit Torres? Goranov. On va chercher le petit Goranov pour voir. Ah non, ils l'ont acheté. Comment ça veut dire qu'ils l'ont acheté gratuit? D'accord. Ils l'ont ach acheté. Ah, ça devait être un agent libre. Ça devait être un agent libre alors. Oh, ils n'ont pas pris que des agents libres quand même. On va juste vérifier. Hein. Torres, on aura du mal à trouver. Johnson. Est-ce qu'on va pouvoir trouver Johnson? Johnson, ça doit être lui. Voilà, il va rejoindre. Il est à Konyaspor et il rejoindra Clermont Foot à l'issue de la saison. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est bien des pré-contrats. Ils sont allés chercher aussi des pré-contrats. Donc. Voilà, tout comme nous, on n'est pas les seuls à faire ça. On n'est pas les seuls à faire des petits coups, essayer de faire des petits coups. Voilà, donc on s'arrête ici pour cet épisode. Désolé pour le match du coup qui est pas passé. Hein. Du coup, j'avais pas envie de le refaire, parce que je l'avais déjà fait. Donc cette défaite face à Valenciennes. Après les autres, vous aviez vu. On s'est fait éliminer de toutes les coupes. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais touché des sous pour être sorti en quart de finale. Je crois pas que j'ai touché des sous d'ailleurs. Faudra que j'aille me plaindre auprès de la LFP. Dans le prochain épisode, on aura Lorient, on retrouvera Sochaux, on aura Rodez et Ajaccio, et on aura Guingamp. Ouais, là, on va jouer des adversaires directs, notamment Lorient et Ajaccio. Ouais, et Sochaux, bon, Sochaux, ils sont un peu en dessous. Donc, ouais, on va jouer vraiment nos adversaires directs. Allez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur FIFA 20. Merci à vous, ciao.